Salut les amis! Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien! Alors aujourd'hui, on voulait revenir sur notre parcours, ou plutôt notre passage à M6, sur l'émission 66 minutes, grand format, qui était dédié, alors théoriquement c'était dédié aux Français partis télétravailler aux Canaries. Voilà, suite au confinement. Suite au confinement, voilà. Ouais. Et ben, à tout de suite, générique! Alors déjà, premier point, comment s'est passé, enfin comment on a été contacté? Alors, en fait, nous avons un ami qui nous a contacté parce qu'il avait vu l'annonce sur Facebook. Sur les réseaux, ouais. Et suite à ça, nous avons été mis en contact avec donc l'équipe de M6, hein, la journaliste, qui nous a appelé pour un petit peu connaître, tout simplement nous connaître, connaître notre vie, notre manière de vivre, nos métiers, etc., etc. Voilà, et donc suite à ça, on a été sélectionnés. Et, forcément. Voilà, donc le thème en fait du reportage à la base était donc le télétravail suite au confinement. Enfin nous, on nous l'a un peu vendu. Enfin, sauf que c'est un petit peu parti sur les Français partis aux Canaries. Oui, voilà, tout court, en règle générale. Parce qu'en fait, pour ceux qui ont vu l'émission, vraiment il y avait de tout. Il y avait des retraités qui étaient là depuis une vingtaine d'années. Il y avait ceux qui étaient venus ici suite au confinement. Il y a un autre Français. Un étudiant. Un étudiant. Il y a eu un Français qui a ouvert son épicerie, mais qui était avant guide touristique, donc qui a dû s'adapter. S'adapter suite au confinement, tout ça. Et il y avait un couple qui font de la plongée, qui ont une société de plongée, en fait. Donc, du coup, le télétravail, ben, on n'était pas beaucoup à le faire, techniquement. Deux. Et puis voilà, donc c'était vraiment juste, ouais, les Français en fin de compte, Français, oui, il n'y avait que des Français, hein. Il n'y avait pas de Belges. Non, c'était que des Français. Ouais, oui, que des Français, ouais. Les Français, donc, aux Canaries. Donc, en ce qui concerne le tournage. Bon, le tournage s'est plutôt bien passé, c'est plutôt assez sympa. Ça a duré à peu près sur. Bon, ça s'est étalé sur 3 jours, pas 3 jours pleins, mais sur 3 jours à peu près, on a été pris pour le faire à différents endroits. Puis il y a des scènes qui se refont forcément, parce qu'il y a des fois, on n'est pas du métier, donc forcément. Surtout, c'est qu'en fait, pour donc la sélection entre guillemets des scènes, donc en discutant, donc ils ont compris en fin de compte notre mode de vie, ce qu'on faisait, enfin tout ça. Mais et après, donc ils ont adapté les scènes en fin de compte par rapport à ça. Après, ce qu'il faut savoir, une chose importante, c'est que, on va dire que ça a été adapté à leur manière. À leur manière, oui. Bon, il y a pas mal de petits points. On va revenir avec vous là-dessus, parce que c'est vrai que on a eu pas mal de retours. D'ailleurs, on vous remercie énormément. On a eu, je ne sais plus à combien j'ai répondu de messages. Rien que le premier jour, je crois que j'étais à peu près à 200 messages. Hein. Franchement, après, il y a eu les rediffusions. Il y a eu 2 semaines de rediffusion. Où à chaque fois, il y a eu des bénéfices entre guillemets de contact, c'est-à-dire qu'on a eu des gens qui nous ont contactés, qui étaient intéressés par nos projets. Alors, ça a été du journaliste jusqu'aux gens qui aimeraient partir également. Voilà, qui veulent des renseignements. Voilà, ou des profs aussi qui veulent faire uniquement en ligne. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de choses comme ça. Donc, on vous remercie énormément parce que ça fait plaisir. On ne pensait pas qu'un simple reportage pouvait avoir autant de répercussions. C'est vrai que ça fait plaisir. On a accepté de le faire parce que, il y a plusieurs raisons. Déjà, ça fait toujours plaisir, on va dire pour son ego aussi. Pour l'ego, voilà, déjà, ça fait du bien. Et puis de montrer aussi aux gens que c'est possible de vivre à l'étranger et de telle manière, parce que on était vraiment que des profils différents dans ce reportage et dans tous les reportages. De toute façon, on a très souvent des reportages comme ça. Et ça montre en fait tous les différents profils et que c'est toujours possible avec, sans enfant, quel que soit l'âge. Enfin voilà. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, donc ça a été un petit peu mis en scène. Alors, justement, la raison pour laquelle nous sommes en camping-car, par exemple. Oui, voilà. Alors, attends, avant ça, ce que je veux dire, c'est que des choses que l'on fait au quotidien, c'était mis en scène dans le sens où
par exemple, je vais bien au coworking. Ah, je bouge, pardon. J'avais bien au coworking tous les mardis, donc ça c'est sûr. Par contre, c'est pas dans le coworking habituel en fin de compte où j'étais. Voilà, donc c'est là où je parle de mise en scène, c'est que le fond est totalement vrai. Le jour est bon, le coworking, journée sans enfants, mais tout ça c'est extrait, voilà, c'est du 100%. Mais c'était pas le coworking où on va habituellement parce que ben voilà, ils ont voulu montrer un autre coworking plus avec un autre état d'esprit. Avec un autre état d'esprit parce ça faisait que, aussi voilà. Co-living, il y avait la piscine, voilà. Il y avait le soleil, il y avait alors que nous on est dans un appartement un peu fermé donc c'était moins rock'n'roll, ça faisait moins rêver. C'est normal, c'est normal. Voilà, donc il y avait ça, le yoga, j'en fais effectivement. Ça aussi, c'est une réalité. Je fais du yoga. J'ai fait du yoga avec une prof qui est d'ailleurs devenue une amie. J'en fais aussi toute seule. Cette prof-là, je ne la connaissais pas. Mais ça m'a permis aussi de la connaître. Ça a permis aussi de faire parler d'elle, de cette activité. Donc voilà, donc là, il y a eu des mises en scène, mais vraiment tirées du réel en fin de compte. Donc ça, voilà, c'était important aussi à notifier. C'est que ce n'est pas 100% avec nos contacts à nous. Alors, parmi les points qui étaient un petit peu détournés, on va dire, bon, c'est qu'ils ne sont pas très graves. Il y a par exemple le fait que nous venons de la Creuse. Alors, effectivement, moi, la Creuse, j'y ai passé 2 ou 3 ans, je crois. Mais tes origines sont creusoises. Mes origines sont creusoises, voilà. Mais j'ai fait toute mon enfance à Paris. Je suis resté 2-3 ans en Creuse. Et après, avec Marina, nous sommes partis dans les Landes avant de revenir ici. Alors, c'est pareil. C'était, et moi, je suis charentaise. Peut-être aussi voilà. Le côté, ils viennent du trou du cul du monde et puis ils se mettent là. Il y a... Bon, et puis c'était aussi raccourci, c'est-à-dire voilà. Que raconter l'histoire des gens, il faut vraiment que ce soit rapide, sinon on s'en sort pas quoi. Donc oui, alors il vient de Creuse, mais en fait c'était que les origines, mais en fait lui après il était à Paris, elle est de Charente, mais après ils se sont rencontrés à tel moment. Bon, je pense qu'ils ont raccourci les choses, il n'y a rien de bien méchant là-dedans. Et je pense, comme tu as dit, c'est qu'en fait ils ont choisi la Creuse dans toute cette histoire, alors qu'ils ont pu dire qu'on vient des Landes, parce que ça faisait une dizaine d'années qu'on était dans les Landes. Mais c'est vrai que ça fait mieux de dire de la Creuse, parce que la Creuse, est-ce que d'ailleurs vous connaissez tous ce département? Non, il n'y a pas que des vaches. Non. Non, il y a aussi des êtres humains. Il y en a quelques-uns. Donc, il y avait quoi d'autre? Oui, il y avait aussi le CNED. Oui, alors il a été dit également que nos enfants étaient au CNED. Alors, ils ne sont pas au CNED, ils sont dans une école, certes en ligne, équivalent au CNED, mais bon, c'est pareil, c'était plus compliqué, plus long à dire, plus embêtant à expliquer peut-être. Que c'était un équivalent du CNED plutôt que dire le CNED tout simplement. Surtout que tout le monde connaît le CNED. Mais oui, tout le monde connaît le CNED. Donc c'était plutôt que dire une certaine école que personne ne connaît. Bon, ils auraient pu dire une école en ligne, hein, mais bon, voilà. Donc ça, c'est vrai que ce sont pour. Alors peut-être qu'il y en a eu d'autres, je ne sais plus. Ça a vraiment été les deux dont on se souvient, ouais. Ça a vraiment été des points. Qui n'étaient pas graves. Pour nous, voilà. Nous, on s'est dit que c'était juste un raccourci parce que c'est vrai que vu le temps qu'on a chacun, il faut bien faire une sélection, il faut raccourcir. Et nous, on a pris ça comme ça. C'est de se dire qu'en fin de compte, c'est une manière de raccourcir, de dire, parce que les gens, techniquement, ils s'en foutent de savoir si on est à l'école Sacré-Cœur, Notre-Dame, pardon, je bouge, Sacré-Cœur, Notre-Dame, le CNED, ou voilà. Donc, par contre, il y a eu deux autres points qui, là, pour nous, sont plus embêtants, parce que c'est, pour nous, c'est du mensonge. Et c'est pour ça aussi que cette vidéo est importante, c'est pour ceux qui nous ont pour mettre un peu les choses au point. Voilà, c'est parce que, alors, c'est pas bien grave en soi, ça n'a pas changé notre vie, ni la vôtre d'ailleurs, mais... C'est complètement faux dans notre histoire, voilà. Et du coup, voilà, c'est important de remettre les choses au point. Premier, hein. Allez, je vais en dire vrai. Le premier. c'est gentil. Le premier point, c'est qu'ils ont dit qu'on était venu, donc on avait quitté notre Creuse. Suite au confinement. Suite au confinement, pour échapper au confinement. Ce qui est totalement, totalement faux. Nous n'avons fui aucun confinement. Peut-être que si on avait vécu le confinement en France, on aurait cherché à le fuir. Mais ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, on était déjà ici. Voilà, ça faisait, en fait, ça fait plus, ça va faire 2 ans bientôt qu'on est là. On a vécu le confinement comme en France, en Espagne, enfin aux Canaries. Et c'est suite à ça, lorsque ça s'est un peu réouvert, où on est parti en France au mois de juillet pour trouver le camping-car. Et nous sommes redescendus fin août, parce que moi, j'avais ma deuxième rentrée à faire ici. Donc voilà, ça a été un petit peu détourné, ça nous a un petit peu fatigué, mais bon. Voilà, c'est pas grave en soi, mais bon, c'était pas totalement ça. Voilà, disons que c'est pas notre histoire en fait. Non, c'est pas notre histoire. Notre histoire, c'est que nous sommes partis de France il y a 3 ans. Presque 4. 3 ans et demi, oui, non, 3 ans et demi, ouais. Donc il y a plus de 3 ans que nous sommes partis de France, pour rien avoir le confinement. C'est que en fait,
C'est mensonger, vraiment, c'est pas notre histoire parce qu'en fait, on n'est pas parti de France pour faire le confinement, on est parti de France parce que nous, notre but, c'est de vivre sur les routes, enfin de voilà, voir autre chose. de voir autre chose. Donc, on n'a rien fui du tout, en fait. Nous, notre but, c'est juste de connaître le monde, en fait. Je vais résumer, il y a la vidéo de présentation, on va vous remettre le lien par ici. Mais comment t'es trop forte. Non, mais voilà, on va pas revenir dessus. Mais toujours est-il que ça n'a rien à voir, on n'a fui aucun confinement. Ça n'a rien à voir. On était là d'avant, on était même parti de France encore avant. Donc voilà, c'est absolument pas la raison de notre départ et c'est pas la raison de notre manière de vivre en fait. Oui, oui. Après, la deuxième chose qui nous a un peu fait tiquer, c'est là par contre, ça nous a pas trop plu, c'est à la fin le côté ils partent, ils laissent cette fois-ci le camping-car pour partir enfin en appartement ou en maison, je sais plus ce qui a été dit exactement. Comme si c'était, on subissait le fait d'être en camping-car, ce qui est totalement faux, c'est même un choix. Et nous partons, je veux dire même malheureusement, dans un appart ou une maison, pour des raisons que vous connaissez. Hein, on va, alors peut-être qu'on expliquera un petit peu mieux, mais Maintenant, vous connaissez la destination. Voilà, vous connaissez la destination. On alors, part sur un B&B sur 6 mois. 30 secondes, je te coupe, parce qu'on nous a plusieurs fois dit, fait cette réflexion gentiment, hein, bien sûr. Qu'ils avaient vendu le fait qu'on allait au Mexique. Alors ça, c'est totalement volontaire. Enfin, ça reste une émission avec des journalistes, tout ça. Si on ne voulait pas que ce soit sûr, on ne l'aurait pas dit. Bon, on ne l'aurait pas dit. Donc en fait, on a le dit volontairement. On se dit que c'est une manière... De l'annoncer. Oui, une manière de l'annoncer. Donc voilà, donc nous partons pas enfin dans du dur, nous partons malheureusement dans du dur, mais pour mieux rebondir en fait. C'est un choix, stratégique pour le professionnel. Parce que effectivement, comme ils ont dit à la fin, je vais prendre la tête d'un lycée 100%, enfin collège et lycée 100% en ligne. Tout simplement, c'est pas que je vais être salarié de ça, c'est que je monte ce collège et lycée 100% en ligne, donc qui va être adapté à la fois pour les expatriés, mais également pour des élèves avec un certain handicap. Donc voilà, et il me faut me concentrer et je n'ai pas de temps à perdre à essayer de trouver de l'eau, à essayer de regarder si la batterie marche bien. Donc nous partons en B&B sur 6 mois. Travaille à fond et après on avise un petit peu sur ce qui se passe avec le Covid parce que bouger avec le Covid actuellement en camping-car c'est assez compliqué. Ça se fait. Ça se fait, mais voilà. Non, puis... Et on est 5, faut pas l'oublier. Ouais. Donc quand on embarque, que c'est compliqué, que c'est galère, à 2, c'est toujours moins galère que quand c'est à 5 avec des enfants. Et puis, dans cette histoire, en plus, on voulait pas se précipiter. C'est-à-dire qu'on va pas quitter ici et se précipiter là-bas, acheter quelque chose. Il faut quand même qu'on ait un endroit pour arriver. Pour pouvoir se poser, donc pour pouvoir bosser, mais aussi pour pouvoir chercher notre prochain véhicule. En fait, on sait ce qu'on veut déjà. Mais pour le chercher, pour l'aménager, oui, mais ça, on ne le dit pas. Pour pouvoir l'aménager. À côté de ça, on a d'autres envies, tout simplement, où là, ça ne sera pas possible. Enfin, non, c'est juste pas possible. Enfin, c'est possible, mais bref, ce ne sont pas des endroits qui se font, en fin de compte, avec un véhicule, avec une maison sur roue. Donc, du coup, on ne sait pas trop dans quel sens on va faire les choses. On va les faire. Bah, c'est surtout c'est un peu le Covid qui va décider pour nous, en fait. Oui, voilà. Au bout des 6 mois, on va prendre la décision. C'est ça. Est-ce qu'on change de pays, tout simplement? Est-ce qu'on aménage notre véhicule tout de suite? Après, ça dépend aussi au côté financier aussi. C'est ça. Et puis, si ça se trouve, on restera encore un peu plus. Et ça se trouve, on restera. Cette autre idée que l'on a aussi, c'est quand même une idée qu'on a depuis un petit moment. On voulait même commencer par ça au début. On ne l'a pas fait parce que ça aurait été ridicule pour nous de commencer par ça. Peut-être qu'on vous expliquera pourquoi. Enfin, en fait, c'est juste une question financière. Pour commencer, on peut faire commencer dans un pays où c'est pas trop cher. Et puis, le Mexique a une connotation assez spéciale pour moi. Donc, c'était... Ça, on vous expliquera plus tard. Ça, on vous expliquera plus tard. Mais du coup, voilà, c'était limite logique de commencer par ça. Ces autres envies que l'on a, Covid ou pas Covid, on se les fera de toute façon. Oui. Dans mais du dur. On laissera... Voilà. Ce sera du dur obligatoire. Vous comprendrez pourquoi aisément. Enfin, du dur ou du plus mou. mais en tout cas, c'est obligatoire de passer par cette étape-là, ces endroits-là. Mais tout ça voilà, pour dire tout ça que pour dire. C'est pas enfin, non. Non. Cette vie, on l'a choisie, on l'attendait depuis un sacré bout de temps quand même d'être en camping-car. Donc quand on a entendu, ils vont enfin dans du dur. C'est comme a dit Julien tout à l'heure. C'est comme si en fin de compte, on n'avait pas eu le choix. Genre, on n'a plus une thune, on se retrouve dans la merde. Oui, on prend un camping-car. Non. Puis on l'a sorti aussi sur un peu un jugement de valeur, quoi. Les citadins qui jugent les bouseux dans un camping-car. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça sur la manière d'être commenté. Ouais. Donc, j'ai pas relevé parce que c'est pas grave. C'est une incompréhension
que j'ai même au quotidien par certaines personnes. Donc, et puis nous, on s'en fout, on est fiers de notre manière de vivre. On s'en fout, quoi. On sait. Et puis je pense que ceux qui sont nomades comme nous le savent aussi, ça fait partie des réflexions que l'on prend lorsqu'on vit comme ça. Donc on s'y habitue, à la limite on s'en fout, mais on tenait quand même à le dire que c'était pas enfin quitter ça, parce qu'on est très heureux en camping-car, malgré le fait qu'il soit trop petit, malgré le fait qu'il soit vieux, mais c'est génial, on vit une vie. Regardez, je tourne un peu la caméra, regardez où jouent les filles, quoi. Franchement, un spot comme ça, ah si, il nous faudrait l'océan un peu plus chaud quand même. Parce voilà, mais je vais même vous dire, on va peut-être l'avoir. Je vais même vous dire ça, on va l'avoir. Mais la mer, la vue sur mer au quotidien, dites-vous que la nuit quand on dort, on a le bruit des vagues, enfin, on a même le bruit de la mer. Et c'est génial. Et ça, ça va me manquer. C'est parce qu'on ne sera pas loin, on sera quoi, si on a trouvé déjà notre logement, ce sera un appartement. On sera à quelques kilomètres de la mer. On sera 6-8 kilomètres, je crois, de la mer. Ou même moins, je crois, moins. Ou peut-être moins, disons qu'il faudra prendre la voiture. Et ça, ça va me manquer de ne pas sortir, d'avoir les pieds dans la mer pour prendre mon petit-déj. Mais bon, c'est 6 mois. Et peut-être plus, on ne sait pas, mais... Puis ça ne nous empêchera pas d'y aller tous les jours. Et ça ne nous empêchera pas d'y aller... Ça ne nous empêchera pas d'y aller tous les jours. Enfin, voilà. Compliqué. On tenait à mettre ces choses au clair, surtout ces deux choses-là. Donc, nous ne sommes pas partis pour à cause du confinement. Ceux qui nous suivent, bien sûr, ils le savent. Et d'ailleurs, peut-être que vous êtes posé la question par rapport à ça. Donc, maintenant, voilà, c'est... bon, voilà. Alors, une dernière chose pour conclure. Voilà. Excuse-moi. Non, pour conclure... on a entendu donc. Alors, nous, on ne connaît pas personnellement les autres personnes qui étaient dans le reportage. Non. On a entendu des choses. Eux aussi, de ce qu'on a entendu, bon, c'est pareil, il y a eu des choses qui ont été détournées. Nous, on ne connaît pas leur histoire, on ne peut absolument pas dire si c'est grave. Enfin, si c'est grave. Si, voilà, à quel point ça a été fait. Dans le journalisme, c'est toujours comme ça. Voilà. On sait très bien que c'est toujours un peu arrangé, c'est pas grave. Mais là, il y a arrangé et arrangé, on va dire. C'est ça. Ce qu'il y a, c'est que apparemment, il y en a qui sont vraiment très très en colère. De ce qu'on nous a dit, hein. Ouais. Bon, nous, on se méfie des intermédiaires quand même. On se méfie. Non, oui, voilà, le téléphone arabe, voilà, c'est. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est vrai que nous, quand on a tourné ça, quand on a accepté en fait d'être filmé, on l'a fait en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'en fait, on avait déjà vu, parce que des youtubeurs qui sont passés, qui mènent cette vie et qui sont passés dans des reportages, il y en a énormément. Il y en a à la paix qui sont déjà passés et on a discuté ou on a regardé les retours en fin de compte d'autres personnes et du coup à chaque fois ça a été changé plus ou moins grave. Il y en a qui ont été très très mécontents, d'autres bon ça a été voilà. Et du coup nous on a fait cette expérience en gros en se disant que de toute façon il y aura voilà du détournement, ça allait se passer. Et du coup c'est vrai qu'on le prend pas on le prend non, pas mal quoi. C'est pas grave. Nous on a eu des bons retours, on est encore en très bonne relation avec la personne qui est venue, enfin les deux personnes qui sont venues, parce qu'il y a un caméraman voilà. Et une journaliste, mais parce qu'on s'y attendait et on leur en veut pas parce que le discours est pas forcément venant d'eux, il y a des arrangements qui sont faits voilà. C'est mais, de toute y a façon, aucun problème avec ça, mais voilà, on tenait à rectifier ça pour que ce soit clair. Ouais, voilà, parmi vous qui nous suivez, on a eu pas mal de questions, donc c'était vraiment histoire de d'éclaircir tout ça, de donner notre ressenti aussi. Ouais. Parce que. Et puis voilà. Oui, on finit pas nos phrases. Donc voilà, pour conclure, eh ben, on est quand même assez contents. Oui, enfin, très satisfaits. On a eu des bons retours. On a eu des retours même de journalistes qui voudraient aussi également nous suivre un peu plus tard et nous recontacter. Donc c'est très positif. Ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt dans ce que l'on fait. C'est ça. Alors c'est pas une fin en soi, mais. Non, bon, non. Ça fait plaisir. En tout nous, cas. On fait notre vie. Bon, de toute façon, on a tout expliqué dans notre vidéo de présentation, donc bien sûr, on ne compte pas sur ça. C'est comme la vidéo YouTube, c'est vraiment, bien sûr, hein, si on peut monter, bien évidemment, ce sera un vrai plaisir. Et on monte d'ailleurs. Et on monte. Et on vous remercie. 2019, je crois, au jour où on tourne. C'est ça, donc non, on vous remercie énormément. Quand je pense aux gens qui vont voir cette vidéo dans un an alors qu'on sera au million, c'est incroyable. C'est ça, mais surtout, on sera sur une... on sera passé par des plages de rêve. Non, on n'est pas. Tu fais du teasing. Ouais. Après, non, attendez, on n'est pas à plein de récits. Juste que l'eau est un peu fraîche. Dans un an, je pense que ouais, quand même. Oui. Bon, en tout cas, c'est pas le sujet. Non, vraiment, on vous remercie tous. Ouais, merci beaucoup. C'est certain. Merci pour vos retours, merci pour vos commentaires. Franchement, ça a été beaucoup de positif. Ouais. Je dirais même à 99%. Alors, il y a toujours de l'aigri, mais bon, ça, on va même pas en parler. Mais du coup, dans l'ensemble, non, c'était vraiment une chouette expérience, de bons retours. Et puis, alors, ce que je voulais dire justement, on l'oublie très souvent,
Nous avons une newsletter que nous envoyons le plus régulièrement possible. Alors autant vous dire qu'en ce moment, bon, ça n'est pas trop. Mais voilà, on vous invite à vous inscrire à cette newsletter parce que ça va bouger. D'ici un mois et demi, deux mois, ça va pas mal bouger. Donc du coup, comme ça, ça nous permettra de vous tenir au courant. On professionnalise également un petit peu la chose, les sites internet, les newsletters, etc. On va avoir les réseaux sociaux aussi qui vont être améliorés. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça nous ferait énormément plaisir de pouvoir communiquer avec vous et d'avoir des retours après derrière par mail. Ce que je veux dire aussi, c'est que le blog, alors je sais que je le dis souvent, est encore laissé entre guillemets en suspens. Le problème, c'est que j'ai les idées, j'ai mes plans de prochains articles qui sont prêts. Alors ça, c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui va aller mieux dans les prochains. Voilà. Ça va être beaucoup plus facile. Donc du coup, excusez-nous, on a eu un petit souci avec pour la vidéo, donc apparemment ça continue. On va quand même conclure. Donc si nous partons, c'est pour ça, c'est justement pour se mettre vraiment, vraiment dans nos boulots. Donc moi, je m'occupe du blog, de YouTube, pardon, YouTube. Oui, je sais, ça fait deux dimanches que je publie pas. Il faut savoir qu'on part dans deux mois à peu près. Et le camping-car n'est même pas encore en vente. C'est ça, on n'arrête pas. Vraiment, là, on est blindé de boulot, de choses à faire. Donc, je sais que c'est, voilà, je le dis, ça fait plusieurs fois. Cette année, c'est un peu compliqué pour avoir une régularité. Et puis, une dernière chose, du coup, on ne fait pas beaucoup de visites. Et je n'ai pas envie de publier des vidéos pour publier et ne pas savoir quoi mettre. Donc là, ça faisait deux semaines, on n'a pas bougé, enfin, on n'a pas fait de visite. Ouais, le quotidien, voilà. Le quotidien, c'est bon, vous connaissez notre quotidien, voilà. Donc du coup, je préfère ne pas vous mettre de vidéos plutôt que vous mettre des vidéos pour en faire. Donc voilà, ça va reprendre du service. On part pour cette raison-là. Julien va se mettre à son compte. Moi, je reprends les réseaux sociaux, donc le blog, parce qu'on a en plus plein d'idées pour le blog. Mais c'est vrai qu'il faut, on n'en parle pas beaucoup, mais vraiment, le blog est là, il est présent. Donc YouTube, Insta, maintenant on a TikTok. Facebook, maintenant on a TikTok. Bon, TikTok, ce sont les réels. C'est les réels. Ouais, en fait, les réels que nous faisons sur Insta, on les met sur TikTok. Bon, on s'est dit que c'est une manière. Les élèves de Julien sont beaucoup, en fin de compte, sur TikTok. Enfin, je dis les élèves. Merci mes élèves. C'est vrai que les jeunes sont beaucoup sur TikTok. On s'est dit que c'est aussi une manière peut-être de les atteindre. Voilà. Oui, nous, on est encore très Facebook, Insta aussi, mais voilà. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur tous ces réseaux et continuez de nous faire vos retours. Nous, on prend tout en compte, vraiment. Et donc surtout. Sur live, mais non, je suis allé trop vite. Alors, excusez-nous, fin de journée. Non, excusez, là. Bon, fin de journée. Oui, tu es sur live. Non, mais c'est important, tu es sur live. D'abord, abonnez-vous partout. Partagez, likez, commentez. Et surtout, tu es sur live. Ça y est, tout est possible. Attends. Salut les amis. Listen one, part two. Where is Brian? Alors en fait déjà. Attends, reprends, j'étais en train de. Alors. Ça filme encore, ça va être coupé, mais qu'est-ce qu'il y a?